expérience aussi, parce qu'il fait, il apporte pas des compétences aussi. Il fait souvent des compétences. Bravo à lui, donc j'espère qu'il va rester un petit moment parmi nous pour faire un bon sparring aussi. Puis après, si ça va faire un bon sparring aussi. Donc voilà, la violette, c'est la... Avec la noire, c'est la ceinture la plus difficile à avoir. La violette, c'est vraiment passer un cran où... La bleue, généralement, reste un bon moment. Les plus noirs à droite, c'est vraiment la violette et la noire. Parce que la violette, ça veut dire qu'on peut tourner avec les ceintures noires sans se faire déchirer toutes les 30 secondes. D'accord. On a vraiment un jeu épanoui en dessous aussi en garde ouverte. On peut vraiment bien travailler. Donc c'est vraiment un gros palier, la violette. Donc je dis, c'est vraiment la ceinture la plus dure à avoir. Après, la marron, ça suit généralement 2 ans après, en moyenne. Après, la noire, c'est encore autre chose. Il y a d'autres critères pour la mort. La gueule, c'est vraiment très difficile à voir. Ok. Donc, pour... Oui. C'est bon ouais. Ok. Donc, là, faites attention à la tête. Hein. Ça fait vraiment dans le dos, les fesses et les cuisses. Hein. Prêt. Allez. Allez, le retour du mot, c'est parti. Allez. Ok. Attends. Non, attends, je sens mes bons, ça commence à faire. Un dos comme ça. Allez. Le dernier retour, le dernier retour. Allez, c'est dernier. Allez, tout le monde se voit en formation. Ça fait un coup. Et t'en es content? Ouais. C'est pas de la vol, ça? Un petit coup de soleil, regarde. Un petit coup de soleil gratuit. Putain.